Mais le commentaire de Mintroid arrive, c'est Axodo, petite optimisation mais importante quand on considère la longueur de la run. Ah bah ouais, là carrément on est sur 2 minutes 43. De mémoire, la première fois, je sais plus, c'était déjà Axodo, c'était Bro, mais c'était légèrement en dessous des 3 minutes. Donc grosse opti, sachant que ça va peut-être encore descendre. Hein. Donc c'est une route opti-light, au sens là c'est vraiment du coup une route optimisée pour le light en 2 minutes 43. Donc on rappelle la catégorie morbombe. Morph plus bombe, pardon. Donc a priori, et je pense qu'il le fait, je me rappelle plus son temps, il prend au moins un e-tank, parce que techniquement il a fait le calcul, c'est un petit détour de 5 secondes, mais finalement on peut jouer un peu plus agressif avec un e-tank, donc je vais redécouvrir, je me rappelle plus s'il prend son e-tank ou pas. On va regarder ça. On va voir ça. Moi je me rappelle plus du tout. Donc run optimisé pour cette catégorie spécifique où il faut aller chercher les deux upgrades obligatoires. Eh ben donc on prend pas le premier e-tank, ah, j'imagine qu'on prend pas le deuxième. Ah bah non, c'est un trop gros détour. Je sais pas quel est le plus gros détour entre les deux, c'est assez amusant. Il est passé à travers l'ennemi. Et c'est marrant ça. Là, les missiles obligatoires évidemment, on va ouvrir la porte pour être sûr de pas être bloqué au retour. On tue l'ennemi, le zoomer, on essaye en tout cas en descendant. Là, mauvais positionnement de l'ennemi, il perd du temps, ça c'est pas de sa faute. Et non mais il aurait pu le tuer en descendant, il a tiré son missile un tout petit peu trop haut. Ah mais je parle du hérisson. Ouais c'est ça, le zoomer il a essayé de le tuer en tirant un missile en chutant mais il a raté. Ah d'accord ouais. Et donc ça malheureusement, une perte de temps sèche d'au moins une seconde. Est-ce qu'il va faire des double hits surtout? Alors on va essayer les double hits. On en rate un ici. On en rate un, ouais, on voit le petit missile. On en réussit un, hein, par contre, ça c'est vraiment bien. Mais on a un mauvais pattern sur la suite, c'est pas de chance. Ouais. Mais attention, moi quand je rate un double hit, à partir du deuxième double hit raté, moi je reset ici. Parce que... Donc on a fait 2 double hits ici, c'est ça? Ouais. C'est vraiment pas mal. Ça va vite. Ah, cette diagonale, et voilà. Ah oui, la diagonale, ce bouton plus bas qui permet de tuer cet ennemi. Et surtout, tu peux précharger la diagonale pendant que tu récupères la ah là là, c'est propre. Ouais, joli saut. Les wall jump, et si évidemment, plutôt que s'accrocher aux plateformes, c'est très très nul. On a 94 points de vie, c'est très très large pour quelqu'un de son niveau. Faut quand même qu'il tue les ennemis sans se faire toucher parce qu'il, voilà, large. Ouah, ces petits sauts. Alors, je sais pas à quel point on est confiant sans drop. Sans drop, il faut des drops. Ah non, il faut des drops. Oh là, ah là. Bah oui, là, tel point il le prend d'ailleurs. Là, c'était chaud. Le drop nous a donné globalement que 5 points de vie. On est un peu inquiet quand on a Axodo, mais on y va. Ah là, on sait pas, on le tue. 3. Donc, il a vu, il a été prescient, puisque il a perdu à peu près 15 points de vie pour faire son demi-tour. Et il en a gagné, je sais plus, la grosse boule, c'est 20 ou 30. Je sais plus. C'est 20. Voilà, il a gagné 5 points de vie. Il a été prescient. Bien joué. À son niveau de jeu. C'est normal, je pense beaucoup se serait fait avoir et eux seraient morts. Mais du coup, sans ce demi-tour, je pense qu'on commentera la prochaine fois facilement un 2.41. Il y a au moins une seconde à gagner quelque part, effectivement, mais il faudrait réussir. Il y a beaucoup de temps à gagner si vous réussissez les 3 double hits et que vous avez un verre parfait. C'est la pire RNG du jeu et c'est une des pires RNG de l'UD9 parce que le jeu est très court et donc la RNG est naturellement très punitive. L'avantage c'est que ça arrive relativement vite dans la run. C'est pas genre un jeu où ça arrive au bout de, par exemple, imagine un jeu de plateforme, il y a plein de niveaux qui se succèdent et ça arrive au bout de 15 minutes. Ouais, mais là ce serait horrible. Ça se grind, je suis sûr que c'est un record qui sera potentiellement battu.